Bon matin. Bonjour! J'ai eu un petit rush parce que je ne me souvenais plus de mon code pour rentrer dans Instagram. Donc, il fallait que je me rebranche. Mais là, je suis bien. Comment vas-tu? Ça va très bien, le soleil est là, le printemps s'en vient, ça va bien. Hey, c'est ça. Et on va commencer de même. Parce que fin février, là, 2 mois presque de situation difficile, on est comme. On dirait dans de la grisaille, on n'a pas voyagé, tu sais, en tout cas, moi de mon côté, j'ai pas voyagé, j'ai pas eu de soleil, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver? Après ça, là, j'ai à peu près 50 questions du public, OK? Mais parce que, écoute, vos émissions sont tellement bonnes, Jean-Yves, avec Cool. Richard Brouillard, on a la troisième ce soir avec Valérie, extraordinaire. Ah, oh, tellement, tellement, tellement. Vous dites, c'est tellement passionnant et des trucs qu'on ne sait pas et que tout le monde devrait savoir. Mais en tout cas, je vais laisser l'émission parler d'elle-même. Mais Tout à fait. qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre énergie? Bon, je dirais la première des choses, c'est sortir dehors. Quand il fait froid, on n'a pas le goût de sortir, on s'encabane, on fait l'ours, on hiberne. Là, la lumière enfin, revient. Je dis ça en particulier aujourd'hui parce que, tu sais, moi, je me lève avant mon cadran, parce que je mets mon cadran à 6h30, puis je me lève toujours avant. Enfin, je me lève à 5h30, 6h, 6h15, dépendant. Quand j'ai plus besoin de sommeil. Et le matin, 6h15 à peu près, je me lève, il fait clair. Wow, quel bonheur! Tu sais, le corps humain, là, on n'est pas fait pour vivre à la noirceur. Alors, la lumière, c'est un outil qu'on oublie. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la peau, c'est bon. Donc, à moins 20, on ne la mettra pas sur la peau, on s'entend. Mais aller dehors, puis l'avantage au Québec, c'est qu'on a de la neige. Exactement pour la Donc, lumière. regarde, j'ai des connaissances, des clientes, entre autres, dans le nord de la France, où il fait une espèce de temps gris moche tout l'hiver, il n'y a pas de neige. Et c'est humide. Exactement. Ben, C'est dur sur le moral, ça n'a Oui. aucun bon sens. T'sais, puis moi, je suis un peu cynique parce que j'appelle ça du temps d'anglais, parce que en Angleterre, c'est la brume, c'est la pluie, il fait humide, c'est le temps d'arthritique. Ici, il fait froid, c'est pas nécessairement mieux, mais visuellement, ça aide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'assurer de manger selon la température. Puis là, je vais puiser dans la médecine chinoise, le Tao, et comme ce que vous voulez, mais c'est vrai en bio aussi. Quand il fait froid dehors, c'est pas pour rien qu'on a une attirance vers les choses chaudes, réconfortantes. Alors, c'est là où il faut faire des choix en fonction de la température, le fait que c'est réconfortant, le fait que c'est nutritif. Mais faites attention parce que l'attrait de la nourriture réconfort sucrée, c'est donc gros, c'est fort. Alors, il faut faire attention à ce niveau-là, mais tu as besoin, tu sais, dans un certain sens, c'est pas pour rien que la tradition québécoise, les repas d'hiver, le repas de Noël, c'est, tu sais, du ragoût, des affaires chaudes, puis grasses, puis tout, parce que ton corps crie après ça. Fait que de vouloir dire, ben non, c'est bon pour moi, je vais continuer à manger des affaires comme de la salade et compagnie. Mange-en, mais assure-toi d'avoir du réconfort. Puis Du ça, bouillon avant, tiens, une soupe, un une potage ou soupe, un quelque chose. bouillon, un mijoté, mettez ce que vous voulez. T'sais, ça peut être un curry de tofu, si tu veux, je m'en fous, là. L'idée, c'est que aller chercher cette chaleur C'est une bonne intérieure. idée. Ben C'est une bonne oui! idée, curry de tofu. Je veux... Oui. Curry de tofu, etc. Trouvez des façons qui vous satisfont, mais en même temps, dehors, il fait froid. Fait que je ne peux pas juste rester dans ah, oh, c'est bon la salade, c'est bon pour moi. C'est vrai, mais tu as besoin de chaleur à côté. Et, tu sais, on peut aussi mettre plein de légumes dans un bol puis verser un bouillon dessus. Cool! Mais Vois-tu? les espèces de soupes, là, des gros bols de soupe asiatiques, justement, là, C'est comme c'est ça qu'ils ça. travaillent, Les absolument. légumes sont pas cuits, là, mais... On est à la même place, mais tu as la chaleur. Et c'est là que ton corps crie après ça. Tu sais, cru d'essence, okay, une chaîne de restaurants. Bon, mais une des choses que tu vas être obligé de faire à un moment donné, c'est d'introduire de la soupe l'hiver. C'est pas cru, de la soupe. Ça peut être partiellement cuit, comme tu dis. Les légumes sont crus, tu mets du bouillon. Mais ça reste chaud. Alors ça, c'est une des choses à ne jamais négliger. Alors, sortir dehors, bouger, oxygéner vos affaires, puis manger chaud. C'est des choses banales, mais ça aide à faire whoop! Puis là, c'est sûr, je peux parler de suppléments et autres, mais juste ça va m'aider à OK. passer par-dessus. Juste ça, mais
Oui, j'aimerais ça qu'on en parle de suppléments, mais d'alimentation aussi. Parce que moi, j'ai remarqué, même, et quand je t'avais demandé, en 2016, de t'expliquer comment ça se fait que quand j'ai retiré le gluten de mon alimentation, j'ai retrouvé mon énergie. Et là, il y a un lien avec des aliments qui sont peut-être plus difficiles à digérer. Et qui... OK. Là, tu touches un point qui est complètement différent, mais qui a une rationnelle. C'est-à-dire que, bon, tu vois, ce que je vais dire, il y a des gens qui vont être contre, OK, tout de suite en partant. Mais il y a une réalité du gluten, cette protéine-là collante, hein, gluten, c'est de la colle, c'est ce qui permet à ton pain de faire des bulles. Au niveau digestif, il nous manque des enzymes pour tout te digérer adéquatement. Et donc, dépendant de ta flore intestinale, il y en a qui vont avoir aucun problème, ils vont digérer, les bactéries font leur travail, parce que notre microbiote, c'est comme notre autre moi. Et chez des gens comme toi, comme moi, comme énormément de gens, le microbiote ne fait pas sa job. C'est-à-dire que le gluten reste partiellement une protéine, il n'est pas digéré en petits morceaux, et ces parties-là peuvent être absorbées et, tiens-toi bien, se transformer dans une série de molécules qu'on appelle les gliadorphines. Je t'explique. Gluten, ça fait partie où ça contient une protéine qu'on appelle la gliadine, qu'on trouve dans plein de grains, et une fois métabolisée par tes bactéries, par ton système, se transforme et ressemble à nos endorphines. Puis tu entends le mot morphine là-dedans. Oui. Alors, pour beaucoup de gens, manger des sources de gluten correspond à prendre quelque chose qui les rend apathiques. Ah. D'où le manque d'énergie, d'où la somnolence après les repas. Il y a toutes sortes d'explications, ça peut être un point de glycémie. Mais ça, c'est un phénomène. Le brain fog, le brouillard mental, c'est aussi quelque chose de fréquent. Puis chez ces gens-là, quand on leur propose « arrête donc le gluten pour quelques semaines », la grande, grande majorité des gens « hey, j'ai l'esprit qui se réveille ». Donc, c'est pas nécessairement de l'intolérance. C'est une forme d'intolérance. Okay. Mais c'est pas une intolérance que tu vas pouvoir détecter, excuse-moi, avec un test sanguin, parce que tu fais pas d'anticorps. OK. Il n'y a pas d'IgG là-dedans. Là. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui peuvent créer ça, qui peuvent nous alourdir, qui peuvent nous enlever notre énergie, en fait? Il y en a deux. Il y en a plus que deux, parce que dépendant de tes intolérances, si tu as des intolérances qui te sont spécifiques, ben, tu manges cet aliment-là puis tu combats. Fait que c'est clair, ton énergie va dans le combat. Mais il y a deux autres groupes alimentaires. Il y a le... Est-ce que ça gèle? OK, c'est correct. Il y a deux groupes. Le groupe des produits laitiers, pour la même raison. La caséine, c'est une très grosse protéine qu'une bonne partie des gens métabolisent très bien, digèrent très bien. Et pour certains, elle va se fractionner, elle va ressembler à casomorphine. OK. Ça aussi, c'est documenté. Fait que si en prenant des produits laitiers, ça t'endort, ben, tu peux en profiter le soir, hein? Ça peut aider, mais ça peut te rendre un peu gaga dans le jour. Alors ça, c'est une réalité. Puis le troisième groupe, c'est les sucres. Les sucres rapides, les glucides, tu sais, c'est ma petite marotte, mais j'explique, le mécanisme est complètement différent. Tu prends tes sucres, ça monte dans ton sang, ça te donne de l'énergie, mais après ça, ça descend, puis dépendant de ton métabolisme, ça peut donner de la somnolence, de la fatigue, de l'agressivité, des symptômes d'hypoglycémie, mais toutes sortes de symptômes parce que tu as un déséquilibre, on appelle ça le yo-yo de l'insuline, où là, tu en as trop passé, trop passé, trop passé, puis à un moment donné, bien là, il se passe un phénomène à court terme que je viens de décrire. Puis à long terme, ben là, si tu tombes dans la résistance à l'insuline, ben là, tes cellules nerveuses commencent à être affamées. Parce que le sucre ne rentre plus. Puis il y a besoin de sucre en haut. Donc, j'ai besoin d'avoir un minimum. Mais ça, mon foie le fait. Je n'ai même pas besoin de le manger. Mais si j'en ai trop, il y a un blocage au niveau du récepteur avec l'insuline. Puis là, ça ne rentre plus. Ça donne des cerveaux affamés qui vont éventuellement donner des démences chez les personnes plus âgées. Mais chez monsieur, madame, tout le monde, ça donne des... Ah, je me disais, à me concentrer après-midi. Pourquoi? T'sais? Wow, des cerveaux affamés. Oui, mais ben c'est pas pour rien qu'on parle du diabète de type 3 quand on parle de l'Alzheimer. Aïe. C'est exactement le processus que je viens de te décrire là, où il y a eu régulièrement trop de glucides, ce qui fait qu'à un moment donné, les récepteurs à l'insuline changent, deviennent résistants, fait que le sucre passe plus. Tu as beau en avoir plein dans le sang, il passe plus. Tu n'es pas diabétique. Mais au niveau de ton cerveau, il y a le même changement que chez un diabétique de type 2, puis ça t'amène à l'atrophie, aux problèmes qu'on connaît des démences. Incroyable. OK. Donc, oui, des glucides, mais on en mange beaucoup trop.
C'est ça, tu le répètes tout le temps. L'industrie alimentaire a compris. Quelque part, j'ai déjà fait l'histoire, là, puis c'est dans mon bouquin. En 1954, il y a un lobby du sucre, le Sugar Research Foundation, qui invente de but en blanc un type d'alimentation qui s'appelle la diète faible en gras pour une raison, augmenter les parts des glucides et du sucre en particulier. Puis ça a été repris par des chercheurs, Ansel Keys et compagnie, puis on en a fait, c'est la chose, des gras, c'est pas bon, ça augmente le cholestérol, tout ce qu'on connaît, là. Mais c'est faux. La base est fausse. Fait que t'as beau me sortir 22 millions d'études qui marchent, la base physiologique marche pas. Et on est pris là-dedans. Fait qu'on se fait dire qu'il faut manger 75 % de notre alimentation en glucides. Ben, fais ça, puis 20 ans plus tard, t'es diabétique. Pas être plate, là. Et tu sais, quand tu dis que le cerveau est affamé, moi, ce que j'entends, c'est que, tu sais, je prends souvent, moi, une image parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre l'alimentation et comme de me délivrer de l'espèce de philosophie de calories, de comptage de calories, c'est nourris-toi pour vrai. T'sais, donne aux cellules, à ton métabolisme, à ton cerveau des nutriments dont tu as besoin pour bien fonctionner et non des aliments vides. Absolument d'accord. Qu'il ne peut pas comprendre, t'sais, comme le transformer ou le chimiquement inventer. Il y a des molécules que notre corps va regarder, va se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis il va continuer d'avoir faim. Il va continuer de vouloir être bien nourri. Vois-tu, tu mets le doigt là, sur un des problèmes de notre société. Pourquoi 88 % des Américains sont en mauvaise santé métabolique? Parce que exactement ce que tu viens de dire. L'alimentation, tu vois, dans une épicerie aux États-Unis, là, puis je vais être un peu cynique pour nos collègues canadiens, les épiceries au Canada anglais, tu as une grande mouvance vers le naturel, mais tu as encore énormément de produits transformés. Tu vois, dans les allées, tu es comme, ah oui, mais je peux avoir du vrai quelque part. Au Québec, c'est encore vrai dans les allées du milieu, mais tu as la capacité, avec les allées du tour, d'aller chercher du vrai. Puis ton corps a grandi pendant 2,5 millions d'années à partir du vrai. Puis le transformer, bien, c'est les dernières dizaines d'années. Ça n'existait pas avant. Puis j'ai déjà parlé des huiles, tu sais, les huiles de maïs, de tournesol, pas de tournesol, de maïs, de soya et de coton, qui sont des produits industriels qui ne devraient même pas être dans notre assiette. Et que si on cuit avec, c'est encore plus terrible. Oui, parce que quand tu prends des polyinsaturés, puis c'est là où je vais tomber en porte-à-faux avec plein du monde, mais des polyinsaturés, que ce soit 3 ou 6, quand tu cuisines avec, tu les amènes à une certaine température, loin en bas du point de fumée, tu développes des molécules oxydées qui deviennent pro-inflammatoires, pro-cancer, pro, tout ce que tu veux pas, des hydroxymachins, des HNE, il y en a toute une collection qu'on commence à peine à trouver. Il y a même un papier qui est sorti, j'en ai déjà parlé il y a une couple de semaines, mais qui fait le lien entre la présence d'un de ces molécules-là qui est un marqueur des huiles oméga-6 altérées et l'intensité de la COVID. La COVID est une maladie inflammatoire. Incroyable. OK. Tu sais, je t'ai posé une question, puis peut-être que tu peux m'y répondre maintenant. Tu mentionnais que c'était pas nécessairement une bonne idée de grignoter toute la journée. Tu sais que des fois, il fallait se donner des... C'est pas juste pas nécessairement, c'est une très mauvaise idée. OK. Et là, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle buvait, tu sais, un mélange de verre, là, tu sais, qu'elle buvait ça tout au long de la journée. Est-ce que... C'est la même chose. C'est que ton système digestif, c'est une machine extraordinairement performante qui demande énormément d'énergie. Et donc, elle doit travailler puis arrêter. Travailler puis arrêter. Il faut qu'il y ait un temps de pause. Pour ça, la mode jeûne intermittent de plus en plus, parce qu'on en conçoit des bienfaits. D'ailleurs, dans mon webinaire 30 ans de santé de plus ou 30 ans de plus en santé là, sur l'anti-âge, j'aborde ça dans le deuxième volet, en particulier avec Éric Simard, qui est mon copain PhD en bio spécialiste là-dedans. Là. Et on a démontré que pour que ton corps se répare, il faut que ton système digestif tombe au repos et que toute l'histoire de la dysbiose, de ce dont j'ai parlé avec Valérie beaucoup, qui est le fait qu'il y a des bactéries dans mon système digestif qui croissent, qui n'ont pas d'affaires là, qui ne sont pas des pathogènes comme tels, mais ils changent d'équilibre et ça me rend pas bien, voire malade. Alors la dysbiose, c'est ce déséquilibre-là. Mais je l'entretiens quand je mange tout le temps. Tandis que quand j'arrête de manger, bien là, la nourriture arrive en phase pour les bactéries. Alors à un moment donné, c'est surtout du sucre. Enfin, des glucides, surtout des protéines, surtout des lipides. Puis là, c'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Les bactéries se mettent à manger les déchets. Alors, ils se mettent à faire du ménage dans le microbiote. Puis c'est là que tu vois des rééquilibrages. Alors, des principes de base. Ne pas manger 3 heures avant de se coucher.
pour que je sois en état d'apesanteur la nuit. Ne pas grignoter. Si tu as faim pour une collation, prends-la. Et pose-toi la question, le repas d'avant était-il suffisant pour tes besoins? Et est-ce qu'il y avait assez de gras? Souvent? De gras et de protéines, oui. C'est ça. Tu sais, tu vois, exemple typique, là, tu travailles dans une tour à bureau, tu descends en bas, tu regardes les petits restaurants. Ah, OK, aujourd'hui, je vais prendre un panini aux légumes rôtis. Super bon, tu regardes. Puis tu finis, tu es super bien, puis au bout d'une demi-heure, tu commences à te sentir croche. Puis au milieu de l'après-midi, tu as faim, tu vas arracher la tête au voisin. Pourquoi? C'est du pain, puis des légumes. Il y a peut-être un peu d'huile là-dedans, mais il te manque de gras, puis tu n'as certainement pas de source de protéines, parce que la protéine du blé, qui est le gluten, est foutument mal absorbée, on vient d'en parler, puis tes légumes, tu ne peux pas les considérer comme des sources de protéines. Fait que tu as peut-être 1, 2, 3, 5 grammes, mais dépendant de la personne, ben, tu auras peut-être plus besoin de 15, 20, 30, tu sais? Et quand c'est cuit, tu sais, les légumes, je sais là, qu'il faut l'hiver, tu sais, le chaud, tout ça, mais quand c'est cuit, tu as moins de nutriments aussi. Faut qualifier ça. C'est vrai, puis pas tout à fait. Au sens où il y a certains nutriments qui sont là. La vitamine C en tête de liste, c'est tout à fait vrai. Donc, tu sais, ta tomate crue a plus de vitamine C, ta sauce tomate, il n'y en a plus. Par contre, il y a d'autres choses qui sont plus digestes. Alors, par exemple, reprends l'exemple de la tomate, ton lycopène, le pigment rouge qui est bon pour la peau, pour plein d'affaires, bien, le pigment rouge, cru, il est très peu biodisponible parce qu'il est pris dans la cellule. Cuit, la cellule a éclaté, puis là, tu y as accès. T'sais? Fait que c'est la notion du cru, cuit, faites bien attention de prendre une position que l'un est meilleur que l'autre parce que c'est variable d'un aliment à l'autre, puis c'est variable d'un moment à l'autre de ta vie. Alors, il faut faire bien attention. C'est une caractéristique, c'est pas une qualité. OK. Est-ce que des fibres de légumes crus, ça va être plus performant que des fibres de légumes crus? C'est la même quantité, à moins qu'on prouve le contraire. Ça, ça ne change pas. Par contre, tu peux avoir des gens qui vont mieux tolérer le légume cuit que le légume cru parce que la fibre va fonctionner différemment dans l'intestin. Exemple, le chou cru versus le chou cuit, il est plus digeste cuit. Fait, c'est pour ça que je dis, t'es cuit, cru, c'est des caractéristiques, ce n'est pas des qualités. C'est quand tu te souviens, il y a un certain temps, le cru, c'était donc meilleur, puis c'était raw food. Là. Puis à un moment donné, tu fais, moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça. Parce qu'on prend une position ex cathedra sur une chose qui devrait être full nuance. On n'est pas okay. là. Mais, tu sais, là, si tu parles du chou, Valérie, elle mentionnait justement, oui, puis qu'il y a quelqu'un qui demande une tisane, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que de boire une tisane, c'est... Ah, non, on est à moins que tu me parles d'un shake ou de quelque chose qui a de la nutrition dedans. Quand tu parles de tisane, d'infusion, de thé, de café, tu es ailleurs, tu es vraiment ailleurs. Fais juste attention que la tisane en question ne soit pas une source de caféine, comme le maté, par exemple, puis là, tu te ramasses sur des effets secondaires parce que ça en a pris toute la journée. Ce n'est pas la même chose. Mais non, ça ne rentre pas dans la même logique du tout. OK. Tu parles du chou. Valérie, elle, mentionne que tout ce qui est crucifère, en fait, va aider à nettoyer le système digestif. Absolument d'accord. Et là, vois-tu, les molécules soufrées, hein, on va les appeler sulforaphane, même si c'est une simplification, là, toutes les molécules soufrées que tu as dans les choux et les cousins de la moutarde, donc les choux de Bruxelles, les brocolis de ce monde, sont des molécules qui vont aider ton foie à faire son travail de décrassage. La sulfoconjugaison. Alors, c'est très intéressant, anti-cancer, ce que tu voudras. Donc, on devrait tous, quelque part, en avoir un peu dans notre alimentation de façon assez régulière. Puis là, je pense qu'on l'a discuté, c'est toute la notion que ces plantes-là pourraient être difficiles pour la thyroïde. Ou là, c'est pas clair. Puis encore là, les molécules, les isothiocyanates, des crucifères, ils sont désactivés par la chaleur. Fait que, si tu manges ton chou cuit, il n'y a plus ce problème-là. Mais tu as encore les effets pour le foie. OK. OK. C'est comme, on dirait que ce n'est pas tout à fait clair pour moi. Parce que je pensais que les fibres crues étaient plus, tu sais, au niveau du, pas au niveau des prébiotiques ou pas au niveau, tu sais, de d'autres choses qu'elles peuvent faire, mais au niveau du ménage. C'est pour moi, les fibres... Bon, ça, regarde... Toi, c'est très... Non, je le sais. Pour toi, c'est très important, cette notion du ménage. Puis moi, c'était exactement l'opposé. Le microbiote, c'est mon ami. Je veux le garder. Je ne veux pas faire le ménage. Non, mais je ne parle pas des bactéries non plus. Je parle de l'aspect d'avoir, tu sais,
un mucilage ou des balais qui passent dans le système digestif, puis qui, tu sais, qui a un beau mouvement, puis qui a un... Ça, là-dessus, on est d'accord. Moi, je vais parler des aliments, d'avoir des sources de fibres à pas. Ça, j'embarque avec toi. C'est juste notre perception n'est pas la même sur l'explication de ça et sur le moment de ça. Mais les fibres ne changent pas avec la cuisson. Elles sont peut-être plus digestes pour certains, il y a moins de ballonnement, mais la quantité va rester la quantité. Mais l'efficacité au niveau du ménage, même si tu n'aimes pas ça, ce terme-là. Je ne comprends pas qu'il y ait une différence. Il faudrait que quelqu'un m'explique ça avec une réalité. Parce que la seule chose qui va se passer quand tu cuis un aliment, tu ne changes pas la quantité de fibres. Tu vas, dans même certains cas, tu vas l'augmenter. Puis ça, j'ai déjà parlé de l'amidon résistant, la patate que tu fais refroidir après avoir cuit. Il y a plus de fibres parce que ton amidon résistant se comporte comme un prébiotique, donc comme une fibre. Mais ceci étant dit, la principale action de la cuisson sur les fibres, c'est l'hydratation. Parce que quand tu cuis quelque chose, ça vient plus mou. Hein? Ta carotte, elle vient molle. Et donc, ta fibre gonfle parce que chaleur et eau. Et donc, au niveau digestif, tu as le même bénéfice. Je vais te donner un autre exemple. Okay? Moi, tu le sais, je prends de la salade midi et soir. Et c'est mon accompagnement. C'est une abondance, tu le sais, de couleurs différentes. Tu parles de richesse de polyphénol, mais... Il y a aussi l'aspect et je sais qu'il n'y a pas consensus sur le nombre de fibres et que c'est pas que, par exemple, un enfant qui mange que de la viande pour d'autres trucs, il va avoir quand même une bonne digestion. Et c'est pas ça la question. Mais moi, j'ai trouvé que ça m'aidait au niveau d'une régularité, d'un tu sais, parce que je veux pas trop embarquer là-dedans, mais avoir un ventre plat aussi, tu sais, donc une absence de ballonnement. Que tout ça faisait partie d'une digestion saine. Si je prends Jusque-là, je suis 100% d'accord avec toi. OK. Si je prends du pain avec des fibres dedans. Attends une minute. Tu viens de changer de réalité. Tu commences avec du pain. Oui, c'est mais. C'est plus est-ce que la fibre est cuite ou pas cuite. C'est juste que tu prends du pain. Et déjà, en partant, tu parles d'un grain, donc du gluten et autre chose, qui lui. Puis prenons le blé. OK. Juste le blé entier. Oublions le gluten 2 minutes. Dans le centre du blé, il y a des fructans. Les fructans, c'est des types de fibres basées sur le fructose qui sont excessivement fermentescibles. Tu ballonnes avec ça. Il y a aussi deux autres molécules qu'on retrouve dans le son et dans le germe qui sont des lectines auxquelles certaines personnes vont réagir. Le WGA, wheat germ agglutinine, qui va te créer des réactions inflammatoires. Alors, chez certaines personnes, le fait de prendre du blé, même si j'ai, tu sais, full fibre, ça me fait ballonner, ça me donne mal au ventre. Alors, c'est là où il faut, au-delà de la notion des fibres, c'est de l'aliment spécifique. Tu m'as déjà entendu dire ça. Alors, il faut y aller aliment par aliment. Là. OK. Si je prends de la soupe, tu sais, des légumes en soupe, des légumes de la soupe, je n'ai pas le même effet que me procure ma salade au niveau de la digestion. OK. Mais là, c'est peut-être pas les fibres. C'est peut-être certains polyphénols qui sont désactivés par la chaleur. Tu sais, quand on parlait de cuit cru, si tu parlais de la vitamine C, c'est l'exemple le plus connu. Les molécules qui changent à la chaleur. Alors, peut-être que chez toi, le fait de manger des légumes dans un cuit te procure moins de bénéfices parce que tu as moins de ces molécules-là fragiles qui sont là au niveau cru. On va aller plus loin que ça. Est-ce que la soupe que tu prends a véritablement la même quantité de légumes que la salade? Peut-être pas non plus, parce que souvent, il y a plus de bouillon, il y a moins de légumes. Fait que vois-tu, sur le même concept, tu peux avoir plein de points de vue différents. Lequel est vrai, je le sais pas. Mais je suis obligé de les considérer, là, tu sais. OK, parfait. Bon, mais j'aime ça, cette perspective-là. Puis, au niveau du muscle péristaltique, est-ce que, tu sais, le muscle de l'intestin, est-ce qu'il y en... Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Parce que j'ai vu, à un moment donné, des exercices pour ça ou des... Non. Bon, le péristaltisme. Commençons par expliquer de quoi on parle. Okay? Le péristaltisme, c'est le mouvement imprimé depuis là jusqu'à l'autre bout et qui a une espèce de forme de vague, okay? Qui varie selon l'organe. C'est-à-dire que ce n'est pas le même au niveau de l'estomac que dans le reste de l'intestin. Le but de tout ça, c'est de faire voyager la nourriture jusqu'à l'autre bout. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire. Ça te prend un volume, d'où les fibres.
Parce que si tu pompes dans le vide, ça ne marche pas. Alors, première chose, c'est important d'avoir un volume. Deux, ça prend une lubrification. Je reviens encore à ma marotte d'avoir plus de gras dans ce qu'on mange. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle les enfants, ce que tu as pensé vite là-dessus, mais les enfants qui font la diète céto super sévère parce qu'ils sont épileptiques, et alors j'encourage les gens à aller voir une nutritionniste compétente là-dedans, parce qu'il y en a, tu vas avoir des enfants qui n'ont pas de constipation partout. Parce qu'une grosse partie du volume des selles, excusez d'arrêter d'aller là, je sais que ton chien n'aime pas ça, non. Mais une grosse partie du volume, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. C'est-à-dire, oui, il y a des fibres, mais une grosse partie du volume, c'est les cellules qui décapent de ton intestin naturellement. OK. À ne pas oublier, il y a une excrétion directe par la muqueuse intestinale. Fait. Alors, le volume, c'est une chose. L'huile, c'est une autre chose. Tu parlais d'exercice. Tout ce qui tonifie la ceinture abdominale, depuis les pilates jusqu'à des exercices de respiration, jusqu'à... Ces exercices-là vont travailler par l'extérieur, par la tonification des muscles sur lesquels tu as du contrôle, vont faciliter le travail des muscles sur lesquels tu as zéro contrôle, le péristaltisme. Dernier point. On a zéro contrôle là-dessus. Oui, ça s'appelle des muscles, tout ce qui s'appelle muscles lisses, tu ne les contrôles pas. Ah. OK? Depuis le mouvement de l'iris, par exemple. Soleil, mécanique, ça fonctionne tout seul. Essaye de bouger ça tout seul. Bonne chance. La fréquence cardiaque. Il y a des gens en méditation qui vont réussir à le faire. Mais le travail est super complexe, il se passe par à côté. Le péristaltisme, la contraction des artères. Bon, il y en a tout plein de muscles dans mon corps que je ne contrôle pas. Alors ça, on est là. Et le dernier point, excuse-moi, Martin. Le dernier point ce matin, pour parler de ça, c'est tout le mouvement pour stimuler le nerf vague. T'as déjà entendu parler de ça? Ben oui. Bon, le nerf vague, c'est le grand nerf qui irrigue tout l'intestin. Et on a longtemps, moi, le premier, conçu que c'était de haut vers le bas. Non, c'est une autoroute en deux directions. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, travailler ça, ça va aider au niveau digestif, au niveau parasympathique, donc le système nerveux de la relaxation et de la réparation. Pour le travailler, c'est simple. Bâiller, respirer profondément, se gargariser, chanter, travailler le diaphragme. C'est toutes des choses qui sont en association avec le nerf vague. Fait que c'est des exercices qui peuvent t'aider. Est-ce que ça travaille la constipation? J'en ai aucune idée. Mais ça travaille l'intégrité du système. Alors, tu entends de plus en plus de gens qui vont dire il faut se gargariser. Faites partie d'une chorale. Vous allez voir comment on se sent après avoir chanté pendant deux heures. Là. On est sur une autre planète. Là. Pour un gars qui en a fait beaucoup. Là. Oui, chanter, c'est extraordinaire ce que ça fait pour le corps. Parce que tu travailles justement par voie dérivée. Tu ne te concentres pas sur tout ça, mais tu travailles ces muscles-là, le diaphragme, la respiration abdominale, la non-tension au niveau de la gorge. Il faut que tu travailles autre chose, la résonance. Non, c'est vraiment fascinant ce que ça fait sur le corps chanter. Là. Ben, on n'est pas obligé d'aller dans une chorale. On peut juste se mettre à chanter dans notre voiture, chez nous, dans d'autres... Absolument! Ah ben, écoute, c'est la première fois que j'entends ça. C'est vraiment génial. OK. Mm-hmm. Donc, muscle pour le est-ce qu'il y a des personnes chez qui le muscle péristaltique fonctionne moins bien que d'autres? Oui, à cause de la masse, à cause du volume, pardon. Oui, à cause de la quantité de gras. Oui, mais il y a aussi des gens, pour toutes sortes de raisons, le microbiote est en mauvais état, il y a une quantité de stress dans leur vie, il y a des interdits dans leur vie. Oui. Là, il y a un ralentissement. La prise de laxatif, tu m'as entendu faire ma petite montée de lait là-dessus, là, oui. Souvent. La prise de laxatif stimulant peut paralyser littéralement les muscles. Parce que c'est pas un muscle, hein, c'est une collection de millions de petits muscles qui travaillent en concert. Alors, le péristaltisme peut être arrêté pour toutes sortes de raisons. Au niveau de l'estomac, on appelle ça la gastroparésie, par exemple. Ça existe. Ça se traite. Oui, ça se traite, mais ce n'est pas facile. Au niveau de l'intestin, la rééducation intestinale, ça se fait aussi. Mais il faut faire attention d'y aller avec des moyens qui sont physiologiques. Exemple, en médecine, on a beaucoup, beaucoup orienté vers les fibres artificielles, les BEG, les LaxD, les Restoralax de ce monde. C'est une fibre artificielle, c'est un gel. Si tu prends la poudre, tu la mets dans l'eau, ça fait une espèce de gel transparent. C'est pas absorbé, mais parce que c'est un volume, puis c'est très, très mou cette affaire-là, c'est un gel, ça
provoque un mouvement de l'intestin. Ils ont réussi à faire de la rééducation avec ça. Fait qu'il y a toutes sortes de choses à investiguer. On peut prendre des fibres. Contre, tes fibres, chez certaines personnes, ça va boucher bien raide. Mais les fibres d'acacia aussi. Les fibres d'acacia, moi, j'aime bien parce que c'est un effet, tu parlais de mucilage, un effet protecteur de la muqueuse, mais en termes laxatifs, c'est vraiment pas terrible parce que ça gonfle presque pas. OK. Et le gel d'aloès, tu sais, du jus d'aloès, pardon. Bon, le jus ou le gel, enfin, c'est les deux reflets du même produit, là. Ça change pas grand-chose à ce niveau-là. C'est plus un protecteur de la muqueuse, un anti-inflammatoire des muqueuses, c'est un cicatrisant. Mais pour ce qui est d'avoir un volume dans l'intestin, pas gros. OK. Puis oui, la trampoline peut être utile tant que vous n'avez pas de varices. Ah, ben, OK. tu sais, moi, je t'ai déjà relancé là-dessus parce que ça fait un an que tu me dis ah, les laxatifs, j'aime pas ça, blablabla, blablabla. Et à un moment donné, je t'ai dit, Jean-Yves, moi, le Cascara Sagrada, une fois de temps en temps, pas continuellement, pas en continu, je trouve que c'est un bon allié pour justement venir activer tout ça pour quelqu'un, tu sais, qui chez qui il n'y a plus de mouvement. Puis après ça, on n'en a plus besoin parce qu'on dirait que ça, c'est comme si ça donnait l'élan. Chez quelqu'un qui n'a pas de problème, je vais être d'accord avec toi. Mais j'ai vu trop de gens qui ont essayé, que ce soit du cascara, du séné, de la bourdaine, du latex d'aloès, blablabla, il y en a toute une trolley, là, et qui se ramassent avec des effets vraiment pas intéressant au niveau de l'intestin parce que c'est très irritant. Alors, pour certaines personnes, t'en es un exemple, ça marche, ça fait le travail que c'est supposé faire. Puis, il fut un temps, c'était le bonbon quotidien qu'on donnait aux vieux dans les CHSLD parce qu'ils sont tous constipés, ils mangent mal, ils mangent plus, etc. Fait qu'on leur donnait un mélange de cascara avec lait de magnésie, puis une autre affaire, qui était le petit cocktail qu'on lui donnait, puis ça goûtait la menthe, puis c'était bon, puis c'était menthe et réglisse. Puis ça aidait au niveau de la régularité. Mais là, tu as 90 ans, tu n'es pas à la même place. Là. Non. Alors, c'est là où moi, je suis frileux de le recommander parce que j'ai trop vu à l'autre bout de problèmes. Je sais que dans certaines écoles de naturopathie, c'est la chose à faire. Je suis mal à l'aise dans la généralité du commentaire. OK, parfait. Et dans l'accoutumance. C'est là où... Le risque d'accoutumance, le risque d'irritation, le risque pour... l'opposé, l'accoutumance. L'autre bord, tu as des gens qui sont sensibles, prennent une demi-dose, sont en diarrhée liquide. Tu as les deux, là. C'est pour ça que c'est des trucs à utiliser avec doigté, pas d'emblée chez tout le monde. Mais c'est là où... Mais c'est vrai que le cascara va activer le muscle péristaltique. Ah oui, ben oui, c'est ça son mécanisme d'action principal. Mais en même temps, c'est une activation qui est pharmacologique. C'est pas une rééducation, là. On n'est pas à la même place, là. Tu sais, les anthraquinones, les molécules que tu retrouves dans les laxatifs stimulants... Toute la gang, sauf le ricin, tu vas avoir un effet stimulant, mais un effet pharmacologique. Quand le stimulant n'est pas là, c'est un peu comme si c'est le café qui te réveille. Quand tu n'as pas de café, le réveil est un peu plus difficile. Mm-hmm. OK, mais c'est pas comme ça que je l'imaginais. Moi, tu sais, des fois, il y a certaines personnes pour qui tout est jamais. Puis qu'à un moment donné, en libérant, là, il y avait comme de l'espace pour revenir à... Encore là, chez quelqu'un qui n'a pas de problème, une fois de temps en temps, ce que tu décris comme mécanisme n'est pas bête. Okay. Mais de la minute que tu tombes dans un des deux extrêmes, qui ne sont pas des extrêmes, mais qui sont des moyennes, là, trop, pas assez, c'est là qu'où... J'ai connu quelqu'un qui disait qu'on pouvait en prendre autant comme autant, qu'il n'y avait aucun problème, et ce n'est pas vrai. Écoute, je vais remonter dans le temps, faire un peu d'histoire. Tout ce débat-là sur l'hygiène du côlon et compagnie commence au 19e siècle avec un monsieur Graham, qu'on connaît pour les biscuits Graham, qui lui disait qu'il fallait manger des fibres, et il fallait prendre de l'huile minérale pour vidanger tout ça. T'imagines ce que ça devait donner comme effet. Et son émule, c'est un monsieur Kellogg, le frère de celui qui a inventé les cornflakes, mais c'est pas lui qui a fait la compagnie, c'est son frère. C'était deux missionnaires, puis fallait manger des fibres et de l'huile minérale. C'est comme qui peut réussir cette philosophie-là qu'il faut absolument vidanger l'intestin. Non, tu le vois encore, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'encore tu l'entends, puis tu as été conscient, il y a des naturopathes qui insistent là-dessus. Ouais. L'hygiène du côlon, j'ai rien contre, pas trop souvent, puis il peut y avoir de l'autre bord, de l'irritation puis des problèmes, tu sais? Ah non, mais là-dessus, voilà. On est d'accord. Et vraiment, à 100%, Jean-Yves, même ce que tu viens de dire, moi, je ne veux même plus en entendre parler.
Mais et voilà. Pour moi, l'idée, tu sais, oui, d'un beau microbiote, d'une flore, tu sais, active, peuplée, oui, et d'un métabolisme performant. Tu sais, on est tous d'accord. Tu sais, j'avais rencontré à un moment donné une femme qui pratiquait de la médecine fonctionnelle, puis elle parlait, tu sais, de pouvoir, que si notre métabolisme était de la possibilité de nos cellules de pouvoir recevoir, tu sais, parce que si on est encrassé, j'aime pas le terme, mais je sais pas comment l'expliquer, on peut moins absorber les nutriments qu'on envoie par la suite, parce que, donc, c'est, moi, l'idée, c'est d'avoir une machine qui fonctionne à son plein potentiel. Bon. Et là, on est d'accord complètement sur ce que tu viens de dire. Là où moi, je fais des bémols ou des nuances, c'est sur le comment faire ça. Mm-hmm. Alors, entretenir le microbiote pour qu'il soit fonctionnel, qu'il nous aide dans notre digestion au lieu de nous nuire, c'est là où tu vas parler de l'équilibre des aliments, par exemple, dans ton assiette. C'est là que les fibres prennent leur importance, mais aussi les polyphénols. Exemple, un nutriment qu'on n'a jamais associé avec le microbiote, qui est de plus en plus dans les recherches, c'est les oméga-3, qui vont faciliter la croissance de bonnes bactéries comme la Kermansia buccinophila, mais qui en même temps vont aider cette chère Kermansia, qu'on aime beaucoup, t'en parleras à Valérie, il y a un défaut. C'est-à-dire que quand il prend le dessus, il est associé à l'obésité. Alors, ce que tu veux, c'est encore une fois l'équilibre. Et la plus belle caractéristique, si on parle de généralité du microbiote, c'est sa diversité. Mm-hmm. Plus il est variable et qu'il bouge et qu'il y a des populations variées, plus il est attiré à la santé. Sauf que le type peut changer de où tu vis, ce que tu manges, ton type de stress. Exemple, on a fait des comparaisons entre le microbiote des enfants en Italie versus, je ne me souviens plus quel pays, en Afrique. Ils sont totalement différents. Les enfants sont en santé. Parce qu'ils sont en équation avec le milieu dans lequel ils vivent. Le problème qu'on a, c'est que nous, Nord-Américains ou occidentaux, ben, qui sont ceux qui n'ont jamais pris d'antibiotiques? Qui sont ceux qui ne mangent aucun aliment transformé dans lequel il y a des agents de conservation qui sont délétères pour ma flore bactérienne? Fait que, vois-tu, il faut penser plus vaste et chercher l'équilibre. Donc, l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est de dire, OK, tu es malade, pourquoi? Quelle est la voie métabolique qui est brisée, bloquée? Ta notion de encrassé embarque tout à fait. On en parle dans mon webinaire sur l'anti-âge parce qu'il y a une des théories qui parle que les cellules sont plus capables de se débarrasser de leurs déchets. Il y a tout à fait une rationnelle, là. Alors, c'est là où, OK, comment je fais pour activer? Quelles sont les substances qui vont permettre une bonne élimination? Puis je ne parle pas de l'intestin, je parle de mes cellules. Oui, okay? Pour qu'elles deviennent propres. Ben, oublie ce mot-là parce qu'il n'y a pas de place. C'est juste que est-ce que tes membranes sont assez fluides et perméables pour faire les échanges qu'on est supposé faire? Exactement. OK. Désencrasser. Oups. Je cherche un... Oui, oui, un exemple. OK, je vais te donner un mot. Je n'ai pas de meilleur mot que ça. OK. Une substance associée au vieillissement qui est un déchet métabolique qu'on n'élimine pas, c'est la lipofuscine. C'est un pigment qui se crée par toutes sortes de mauvaises affaires et qui va donner les fameuses taches de vieillesse. Mais la lipofuscine, tu la retrouves partout dans le corps. Et là, la question, c'est est-ce qu'on est capable de l'enlever? Je n'ai jamais trouvé personne qui est capable de me dire je suis capable de l'enlever. Nathalie, mais... est en train de te préparer ça, Jean-Yves. Topique! Mais si j'en ai dans le cœur, puis dans les muscles, et ailleurs, je ne sais pas. Parce qu'elle s'accumule là, mais il y en a partout. Puis au Moyen-Âge, ça s'appelait, ces petites taches-là, là, parce que j'en ai moi aussi, là, ça s'appelait des fleurs de cercueil. Je sais, c'est joli. Hein? Mais bon, donc, éliminer le processus de création, faciliter le processus d'élimination, ça fait partie des tâches. Exemple, le resvératrol, les pigments bleus du bleuet, les polyphénols d'huile d'olive vont aider à ne pas créer ça, puis augmenter l'élimination. Mais on n'est pas encore dans « je suis capable de nettoyer le système ». Pas là encore. Mais j'ai un paquet de pistes qui me disent « ah ouais, ça, si tu prends ça régulièrement, tu vas moins en fabriquer, tu vas faciliter plus l'élimination ». Exemple, le coenzyme Q10. Ce n'est pas du tout pour l'élimination, mais ça permet la respiration cellulaire. Donc, tes mitochondries sont en meilleur état. Bon, je continue comme ça. J'en ai trois soirs de temps. Le coenzyme Q10. Ouais. Le coenzyme Q10, c'est une substance que nous fabriquons dans nos cellules qui est dans les mitochondries. Les mitochondries, c'est dans mes cellules, usine énergétique.
qui d'ailleurs a son propre code génétique qui est différent de celui du noyau de la cellule. Hein? Okay. Alors ça, cette mitochondrie-là, c'est elle qui va réussir à partir des nutriments, fabriquer les molécules énergétiques, moi je l'appelle l'usine électrique, mais qui fournit les molécules qui me servent à faire de l'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP. Et ça est dépendant de la mécanique de faire rentrer et sortir les substances, les ions et compagnie. Et la molécule responsable de ça, c'est le coenzyme Q10, l'ubiquinol pour tout le monde. Et ça, en vieillissant, j'en fais moins. Dans certaines maladies, j'en fais moins. Et là, mes mitochondries se mettent à tordre, mes cellules sont moins efficaces, je fais moins d'énergie. Et là, ça me donne toutes sortes de problèmes. Et en prenant, ben, je ralentis, voire je corrige le processus et j'améliore l'efficacité de mon usine électrique. Donc, ça nous prend ça dans notre trousse. Je pense. Oui, mais pas. Ah. Oui, mais je te dirais, à moins d'avoir une pathologie comme une maladie cardiaque ou même le sida, tu n'en as pas besoin avant 50, 55 ans. Facile. Je vais avoir 49. Ben oui, j'arrive juste à temps. T'arrives juste à temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'inscrire à ton webinaire. Je vais tout prendre des notes pour nous faire tout ce que ça nous prend. Je vais juste en profiter pour dire, parce que, bon, tu as des webinaires, et c'est pas terminé, là, on continue. Je n'ai même pas commencé les questions. Mais donc, tu as un webinaire sur comment se gagner des dizaines d'années de bien-être ou de ralentir le vieillissement, ou peu importe. Donc, c'est exactement. Ça s'appelle 30 ans de plus en santé. C'est surtout ce qui est la médecine anti-âge, mais dans le but de qu'est-ce que moi, je peux faire. Ça, tu sais que ma marotte, c'est toujours ça. Qu'est-ce que moi, l'individu, toi, moi qui écoute, on peut faire, pas ce que le docteur peut faire pour moi. Et donc, ces trois soirs, c'est vraiment sur c'est quoi le vieillissement, c'est quoi les explications qu'on a. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui accélère, puis quelles sont les stratégies, la restriction calorique, le jeûne intermittent, l'activité physique, bon, blablabla. Puis j'explique le tout pourquoi. Et le troisième, c'est les produits. Quelles sont les substances qui ont montré un effet, soit au niveau clinique, littéralement, là, ça réduit telle affaire, ou au niveau biologique, ça travaille telle voie métabolique qui donne telle affaire. Comme la mélatonine. Comme la mélatonine, exactement. Donc, la mélatonine, même si c'est écrit sur la posologie d'en prendre pendant 2-3 mois puis d'arrêter après. OK. Là, tu tombes sur une notion, puis là, ça prend du gros bon sens ici. OK? Gardons notre esprit critique. Ces mises en garde-là sont habituellement pour prévenir le mésusage, c'est une précaution de bon aloi. C'est comme ça que moi je l'appelle. Parce qu'au niveau du législateur, ce qu'on veut, c'est éviter le trouble. Hein? C'est la gestion du risque. La mélatonine, il n'y en a pas de risque. Par contre, que tu le prennes pour un problème qui aurait besoin d'aller voir le médecin, ça, c'est important. Alors, okay. C'est ça l'idée. Ce n'est pas la substance qu'après 4 semaines, ce n'est pas bon. Non. C'est juste qu'après 4 semaines, si tu prends ça, tu n'as pas vu de résultat, on va voir ton docteur. Oui, d'accord. OK. Donc, mélatonine, peut t'en prendre sur une base régulière, même si tu dépenses. OK. Et pas pour bien. Mais c'est fantastique, les dodos. C'est pas pour dormir, pas en tout. Mais oui, mais quand même, c'est comme un bel effet secondaire. Les dodos, les rêves, tout, c'est comme waouh! Non, mais tu sais, un profond dodo, là, merveilleux. Moi, je le prends comme toi pour l'effet anti-âge, de ralentir, tout ça, mais merveilleux. Donc, écoute, juste pour l'anti-âge, un petit détail. Il y a 7-8 ans, j'ai commencé à parler de la mélatonine pour prévenir, voire renverser l'ostéoporose parce que j'avais vu des données animales fascinantes. Bien, j'ai maintenant des études cliniques qui confirment ce que je dis. Et t'es bon. C'est juste que ça nous prend, ça prendra un centre, Jean-Yves, ça prendra un centre où, tu sais, on pourrait, un village où on pourrait accueillir du monde avec tout ce qu'il faut pour gagner des dizaines d'années de bien-être, comme ça, là, tu sais. Cool! Ça serait fantastique. Gydionne.com, vous avez là le webinaire. Donc, c'est quand ton webinaire? Le 3, le 10 et le 17. C'est 3 soirs. Parfait. C'est les jeudis. Et oui, il y a plusieurs personnes qui. Et vous avez là aussi un lien vers les consultations avec Jean-Yves. Donc, Jean-Yves donne des consultations. Si vous avez des questions spécifiques pour votre condition à vous, Jean-Yves donne des consultations. Vous avez Valérie Dussault aussi qui donne des consultations pour tout ce qui est assiette. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'elle a tout coupé et qu'elle ne voit pas de changement. C'est là que les gens ont besoin d'aide, parce que la plupart du temps, on est capable de le faire tout seul. C'est pour ça que je fais de l'enseignement quand je fais autant de live.
Mais à un moment donné, tu as besoin d'un guide qui te prend par la main et dit, OK, pour toi, à cause de ça, 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 tu t'en vas là. T'sais, moi, je ne fais pas d'assiette, je ne fais pas de plan de repas. C'est pas vrai. Je parle d'alimentation beaucoup. Mais c'est pas ma job, ça. Parce que, un, ça prend un temps fou faire ça, puis il y a une philosophie à comment tu abordes ça. Valérie est géniale pour faire ça. Elle, c'est son bout. Elle fait un bout du mien, je fais très peu du sien. Mais les deux, on parle d'alimentation, de supplémentation, etc. Puis on est complémentaires. C'est extraordinaire. Vous, d'ensemble, j'espère que... C'est qu'il manquait juste un petit bout dans l'émission. Je l'ai écouté hier, la prochaine émission, la partie 3 de votre émission ensemble. J'espère la diffuser ce soir. Je vous en ferai part si c'est le cas. Parce cool. qu'il manque le milieu. J'ai dit, hey, il est où notre milieu? Mais c'est bon. Justement, vous parlez au début des suppléments. À la fin, vous parlez du match. En tout cas, des boissons, c'est vraiment extraordinaire. J'étais okay. buzzée complètement à la fin. Quelqu'un pose la question par rapport au focus, excuse-moi, par rapport à d'autres suppléments qui ont commencé à avoir des effets sur. On en avait parlé, des TDA. Clara, vous direz à votre pharmacien de se renseigner. Continue. Ah, c'était quoi la question? Je n'ai pas vu. Concernant mélatonine, les médicaments de pression, un dit oui, l'autre dit non. Regarde, c'est ça. Il y a un médicament, OK? Un, avec lequel il ne faut pas prendre de mélatonine, c'est l'adalate, alias la nifedipine. Lui, j'ai une interaction cliniquement significative. Les autres, prenez du sous la langue, ça ne change pas grand-chose. Et tu vois, ce que tu viens de dire là, Jean-Yves, c'est que souvent, il y a une association qui est à éviter, puis là, après ça, on va généraliser. C'est-à-dire qu'on va voir notre spécialiste, puis on dit, puis là, il dit, ben non, tu ne touchez pas à ça, ou c'est dangereux, ou ça ne sert à rien, ou... Regarde, ça, c'est un autre sujet, Olivier, t'as pas embarqué là. Non, mais on consultait Jean-Yves à ce moment-là. Quand je te demandais. Oui. Tu connais les deux domaines comme ça et tu as aussi ton écran. Donc, les consultations, c'est 1h30 avec toi. Puis, il y a un suivi aussi après, si je ne me trompe pas. OK. Donc, un autre supplément où on dit, donc, les suppléments, si quelqu'un voit des effets, par exemple, sur son TDA, ou donc, il peut continuer sans s'il y a des effets positifs, là. Écoute, règle générale, votre instinct est meilleur que tout. Okay. Si tu te sens, tu sais, c'est un peu comme ton instinct pour l'ami. Toi, ça t'a bien été, ouais. Suis ton instinct. Un autre le prend, non, touche pas, tu sais. Et notre ressenti, il faut y faire confiance. Alors, oui, si c'est un produit qui te fait du bien, puis à un moment donné, ça ne fait plus du bien, arrête. Mais si ça fait du bien, puis quelqu'un te dit que ce n'est pas bon, écoute-toi. Je vais donner un exemple. Il y a plusieurs années, il y a eu une grosse étude qui a voulu dire, parce que c'est pas ça qu'elle a dit, mais elle a voulu dire que la glucosamine de la chondroïtine, ça marchait pas pour les articulations. Il y a un paquet de monde qui a arrêté. Là, j'ai des clients qui sont venus me voir, hey, ça faisait du bien. Ben, pourquoi t'as arrêté? Parce qu'ils l'ont dit dans le journal. Ben oui, puis depuis quand tu crois le journal, toi, là? Ben, ça ou des personnages. Moi, en tout cas, il y a des trucs qui sont insensés, du monde qui avait des bonnes habitudes ou qui prenait tel aliment ou tel, puis que là, quelqu'un sort quelque chose de complètement farfelu, puis que là, on arrête cette bonne habitude-là. En tout cas, c'est... Mm-hmm. Donc, écoutez votre ressenti, c'est tout à fait vrai. Bon, une autre question que j'ai avant de commencer, c'est une question du public, mais c'est une question qui m'est aussi posée. Tu sais, comme la B12, oui, mais il y en a dans le complexe B. Ou la vitamine C, oui, mais il y en a dans la multi. Est-ce qu'on en prend quand même? OK, ça dépend ce que tu veux. Ça dépend ce que tu veux. Prenons le cas de la B12, OK? La majorité des gens n'ont pas besoin de prendre un supplément de B12 à 1000 microgrammes la dose, tu sais? Non. Les végétaliens n'ont pas de B12 dans leur alimentation. Donc, elles doivent supplémenter. C'est vrai. Combien? L'apport nutritionnel recommandé, c'est 2,8 microgrammes. Oups, c'est pas 1000, c'est 2,8. Alors, d'en prendre plus, zéro danger. Ça fait partie des quelques substances à Santé Canada où il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas d'apport maximal. On n'a jamais trouvé. Donc, c'est pas dangereux. Il y a des bénéfices en avoir plus. Vous avez un problème neurologique. Ben oui, des belles études en sclérose en plaques et dans des problèmes neurologiques. Tu donnes des doses de cheval, des 5000 microgrammes, tu as des résultats. Alors, il y a un avantage d'en prendre plus. Est-ce que ça se répercute chez tout le monde? Je ne sais pas. Comme mais il n'y a pas de danger. Les oméga, je vous ai entendu parler de ça la semaine dernière dans l'émission avec Dr. Boyard, qui a dit d'en prendre plus, on a des bénéfices. Ah oui, absolument. Puis là, je parle des chaînes longues.
Je ne parle pas du ALA, parce que le végétal, la conversion n'est pas très, très efficace. Mais on a de la donnée énorme. C'est pour ça que moi, je parle de doses pondérales que j'adapte à la personne. Avec des taux sanguins plus élevés, tu as des effets sur les triglycérides, sur la santé cardiovasculaire, sur le système nerveux, sur l'inflammation, etc. Boukidé, index oméga-3, vous allez voir full information qui explique ce que je viens de dire là. Okay. Alors, oui, et c'est là où, de mon point de vue, il y a une notion nutritionnelle et il y a une notion pharmacologique. Quand tu prends un nutriment et tu le montes au-dessus de ce que ton assiette peut te donner, dans le cas des oméga-3, à moins que tu sois un Inuit à manger du poisson tout le temps, avec les défauts que ça va avoir, tu n'auras jamais des taux sanguins qui vont m'amener vers l'effet pharmacologique protecteur. C'est là où... on a déjà jasé de la pertinence des suppléments dans notre société, puis je dis que c'est des outils pertinents qui sont loin d'être obligatoires, mais qui sont pertinents dans bien des conditions. Et qui sont plus efficaces quand on mange bien. C'est ça que vous dites aussi dans l'émission. C'est que oui. À partir du moment... Bon. Okay. Joanne dit, mon médecin me dit que les vitamines ne servent à rien sauf la vitamine D. Il ne faut pas faire de débat, vous avez 100% raison, mais c'est complètement farfelu. Okay? La vitamine B2 pour la migraine, c'est très bien documenté. Les complexes B pour réduire l'atrophie cérébrale, c'est documenté. Le complexe B pour augmenter la résistance au stress et diminuer la fatigue, c'est documenté. Fait qu'à un moment donné, il faut sortir de ça. Mais c'est juste que j'aurai jamais le budget d'une pharmaceutique pour promouvoir une affaire parce que c'est pas brevetable, ces maudites affaires-là. Fait que j'ai pas d'argent. Okay. Mais la science, elle est là. Elle est juste pas enseignée à l'école. Donc, des suppléments pour aider au stress, l'anxiété, tu viens de le dire, complexe B, magnésium. Complexe B, c'est un trait. Si vous vivez dans un environnement stressant, puis là, vous êtes dans une passe où vous n'avez pas de contrôle là-dessus, puis ça vous fatigue, essayez un complexe B pour vous donner le oomph pour passer par-dessus. Bien entendu, gérer votre stress, là, mais des fois, on arrive, tu sais, ceux qui travaillent sur des deadlines, là, sur des dates de tombée, à un moment donné, il faut que tu fasses ta job, puis c'est prêt pour hier. C'est dans ce temps-là que c'est génial. Ça donne un coup de pouce. Tu veux-tu montrer ton livre? Parce que comme je ne suis pas à notre endroit habituel, parce que Jean-Yves a un beau livre qui s'appelle « Bon stress, bad stress ». Puis à l'envers, mais bon, hein, c'est et, ça. C'est vraiment la base de l'alimentation, des bons gras, de quoi bien dormir, des suppléments, un survol des suppléments. Tout est là. C'est vraiment comme une bible... Puis vous pouvez trouver ce livre-là en France, oui, mais aussi sur nos sites, donc sur le site de Maison Jacinthe Coissard, puis dans nos maisons. Les stries sur les ongles, tu l'as déjà dit, c'est... Les stries sur les ongles, pensez carence en zinc. Fait que faites un essai là-dessus. OK. My God, où pouvons-nous prendre rendez-vous avec vous? jgregzion.com, le bouton rouge, prendre une consultation, clique, puis là, tu lis tout ça, tu écoutes la petite vidéo, ça te tente pas, tu l'écoutes pas, puis la méthode est là, voilà. Et Eugénie qui dit, j'ai commencé à le livre, c'est vraiment utile, une bible. J'ai très hâte parce que, tu sais, moi, je rêve d'une consultation avec toi. tout le monde le sait, je le dis à chaque fois. Prends-la, chère. C'est 1h30 de bonheur. Tu dis aussi ce soir où on peut faire comme des analyses pour savoir notre taux de vitamine D dans le sang. Mais y a-t-il est-ce qu'on peut avoir un profil complet par nous-mêmes ou que la vitamine D? Oui, il y a des places comme Grassroot Health, qui est un organisme américain qui a comme mandat la promotion de la vitamine D, qui publie des affaires fascinantes. Mais la gagne-pain, c'est un laboratoire d'analyse. Fait que tu commandes les tests, tu reçois, je l'ai pas, tant pis. Tu reçois une espèce de lancette qui ressemble à un clou avec un buvard. Puis là, tu fais un gros trou dans le doigt, tu remplis les buvards avec une goutte de sang. Et là, tu envoies ça par la poste et tu reçois le taux de vitamine D, le taux de magnésium intracellulaire, le zinc, il y a tout l'index oméga 3. Fait que tu peux tout avoir ça d'une place comme ça où c'est individuel, c'est pas sous prescription, tu le fais toi-même, c'est privé, tu payes, puis voilà, c'est fait. Ah, ça, c'est une place. Après ça, on peut prendre rendez-vous avec toi pour l'analyse de tout ça. Oui, il y a des places aussi où tu peux avoir un oligoscan, qui est une technologie française où on utilise la spectrographie pour mesurer via la peau la teneur des minéraux et de certains antioxydants. Excusez. Wow! Il y a des places qui font ça aussi. Ça, c'est intéressant parce que ça donne des lectures, excuse-moi, tissulaires des métaux et des métaux lourds.
Okay. Puis ça, comment ça s'appelle? Oligoscan. Oligoscan. Ici il y a au des Québec. Places. Oui, oui, au Québec. Tu l'as à plusieurs endroits. Il y a. En tout cas, peu importe. Okay. Puis il y a aussi les analyses de cheveux qui sont très, très pertinentes. Tu sais, des analyses de cheveux en médecine, on rit de ça, mais en toxicologie, c'est la première affaire qu'on utilise pour vérifier la présence ou non d'autres choses. Fait que c'est comme, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait pour mon fils. Je me souviens même plus pourquoi j'avais fait ça pour mon fils. Puis là, quand j'ai reçu le rapport d'analyse, il y avait du poison. Il a dit, il y a des molécules. Puis là, tu fais, ben voyons d'où ça sort, ces affaires-là. Et ça peut être l'eau, ça peut être l'air qu'on respire, ça peut être dans des aliments, ça peut être... Et c'est vraiment... c'est impressionnant. Donc, en tout cas, si on cherche des fois... Une autre émission qu'il faudrait qu'on fasse, là, c'est avec Stéphane Belensky, là. Ouais, j'aime ça. Ah, il est trippant, ce gars-là. Parce qu'il y a des trucs autour de nous, tu sais, des formaldéhydes, des trucs qu'on respire, des substances, et qui peuvent vraiment nous intoxiquer nos enfants. Absolument, absolument. Et tu sais, il y a plusieurs personnes, et tu les aimes-tu à mon monde, qui s'en viennent, qui vont te voir? Tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, j'ai une consultation avec Jean-Yves, mais tout le monde qui vient de Maison Jacinthe. Règle générale, les gens qui arrivent via ton intermédiaire, là, par ta porte, c'est habituellement des gens informés, allumés. Puis moi, j'aime beaucoup les gens qui ont fait une bonne partie du travail avant, qui arrivent avec des questions, là. Tu sais, j'ai vu telle affaire, j'ai lu, puis là, j'ai vu de la contradiction. Puis ils en ont fait un bout. Ah, j'aime ça, parce que là, j'ai juste à raffiner. Le travail est fait. J'ai pas besoin d'expliquer tout. Tu sais, dans le corps médical, puis les pharmaciens, on déteste Dr. Google. Ouais. Parce que tu as un symptôme, regarde, tu vas mourir demain matin, tu as le cancer. C'est clair. Par contre, tu peux très bien utiliser Dr. Google, puis fouiller, puis aller chercher des informations, puis te faire une tête, puis dire, attends une minute, là, ça marche, ça marche pas. Puis là, tu viens voir un gars comme moi, puis là, je te raffine ça, là, fou, pour toi, c'est ça. Là, on a du plaisir. Et il y en a qui écoutent tout aussi, tous nos directs, tout ça, tu sais, les émissions, fait qu'ils arrivent avec des bonnes connaissances. L'huile de nigel, comment la consommer direct comme ça à la cuisine? Direct comme ça dans ton smoothie, dans tes muffins, si tu veux. Ça a un goût particulier. C'est pas désagréable. C'est comme tu peux le mélanger dans les épices de type méditerranéenne. Ça marche très bien. Puis ça a des effets bénéfiques à toutes sortes de niveaux. Là. Ben oui. Mm-hmm. Est-ce que tu peux... Tu veux que j'élabore? Écoute, Pierre serait mieux que moi pour élaborer sur la nigel. C'est sa plante fétiche. Oui. Mais, amélioration de la résistance à l'insuline, augmentation du métabolisme, effet protecteur cardiovasculaire. Au niveau du foie, il y a quelque chose qui se passe, mais je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. C'est vraiment un multi-effet. Et si vous voulez vous amuser, vous en avez chez vous, prenez-en, puis écrasez-la, puis sentez-la. Les terpènes rappellent un petit peu l'origan. Et donc, il y a tout cet effet-là. Les molécules volatiles vont avoir des effets décongestionnants, vont avoir des effets antibactériens. Fait que c'est vraiment une plante aux vertus multiples. C'est pour ça que ton huile essentielle versus l'huile, c'est pas la même affaire partout. Non. L'huile essentielle va avoir des molécules aromatiques. Dans l'huile c'est végétale, ça va être... Il y en a beaucoup moins. C'est ça. Il y en a un peu, parce qu'à goutte, il y en a moins. Mais on peut les respirer. C'est ça que vous aviez dit. Cool! Pierre, il mentionnait qu'il les avait écrasés, puis juste les respirer, on va retirer aussi des bienfaits. Exactement. Puis, comment rétablir une carence en fer? Bon, OK. Là, ça dépend de plusieurs choses. Si la carence est établie, on a une prise de sang. Parce que moi, je recommande très rarement du fer, sauf si j'ai une prise de sang. Et là, il y a une carence en fer. Bon, la première affaire, c'est est-ce que tu veux bien manger des sources de fer? Hein? Si t'es végé, mon commentaire ne marche pas, mais la meilleure source de fer, c'est le foie. Bon. Alors, autrement, supplément. Et là, il y a toutes sortes de suppléments sur le marché, des faciles à digérer, plus difficiles à digérer. Il y en a qui sont vraiment des bombes. Mais ça prend du fer pour corriger la carence et des doses plus élevées que ce que l'alimentaire va donner. Alors, exemple, l'alimentaire, c'est entre 8 et 18, dépendant de la situation, milligrammes de fer. Puis, les thérapeutiques commencent à 30. Mais Jean-Yves, peut-être aussi essayer de comprendre pourquoi il y a une carence en fer. Parce que ben oui, vous aviez d'où mon commentaire lien. D'hésiter. Parce que si tu as, mettons que c'est une femme dans la périménopause, dans les 10 ans avant la ménopause, qui a des menstruations qui n'en finissent plus, on peut-tu régler ça? Oui, il faut supplémenter le fer, pareil. Mais si tu as une fuite monstrueuse,
T'sais, si, par exemple, j'ai un homme qui vient me voir, carence en fer, le réflexe médical que le médecin aura, je présume, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des segments occultes, segments digestifs, segments intestinaux, etc. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un homme soit en carence de fer. Sauf si son alimentation est vraiment, 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 vraiment mauvaise. Parce que la perte de fer chez l'homme, elle est minime. Chez la femme, elle est importante tous les mois. Est-ce que les antiacides peuvent avoir des répercussions? Je n'avais pas entendu ça qu'à un moment donné, quand on prend des antiacides, après un certain nombre d'années, on assimilait moins bien telle affaire. Oui, mais pas le fer. OK, là, ça peut avoir Les antiacides, en termes généraux, les IPP en particulier, donc Nexium en tête de liste, c'est la B12. Ça te bloque ton absorption de B12 bien raide. La réduction du calcium, magnésium, zinc aussi, fer, je ne le sais pas. OK, parfait, super. Merci, merci, merci. C'était fantastique. On a hâte à la semaine prochaine. Je croise les doigts pour avoir l'émission ce soir. Et je vous le dis si c'est le cas. Puis sinon, ben, vous avez le livre, vous avez les webinaires aussi. Tout ce que tu as écrit sur ton site et des consultations qui sont possibles. C'est merveilleux. Merci. Merci. Vraiment, de l'or. Merci. Bye-bye. Merci tout le monde. Bye-bye. Bonne journée.